C'est la course qui conclut une saison exceptionnelle. François Barrère a décroché cet été à Taïwan la médaille d'or sur 5000 mètres. De retour à l'entraînement dans le vignoble marnais, le jeune coureur a encore du mal à réaliser. Je suis sur mon petit nuage. Certes, c'est universitaire, mais je pense que c'est une première étape dans d'autres qui vont arriver par la suite. Et c'est plutôt bien parti. Ce jour-là, c'est avec Mayedine Mekissi, triple médaillé olympique de steeple, que François répète ses gammes. Depuis un an, le champion du monde universitaire a rejoint l'équipe de Farouk Madassi. Une renaissance pour le Rémois qui, à la fin de la saison dernière, voulait arrêter l'athlétisme. Pas au train, mais enfin... L'envie, elle est revenue au fur et à mesure des entraînements où j'apprenais vraiment une toute nouvelle méthode d'entraînement où c'est vraiment de l'amusement. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est une séance où c'est presque des jeux, quoi, comme on fait quand on est jeune, quoi, dans des endroits un peu insolites. Plaisir, rigueur, continuité, la méthode Farouk Madassi fait ses preuves. François améliore ses chronos, 13-27 au meeting de Carquefou où il signe là son meilleur temps de la saison, avant de devenir champion de France quelques semaines plus tard à Marseille. La performance, il est dû avant tout qu'à lui-même et à son acharnement et à son travail, quoi. Moi, j'essaie de l'accompagner comme je peux, le groupe est là aussi pour lui, donc on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice, mais le mur, c'est lui qui le construit, quoi. Allez, 30 secondes à moins 60 et je te fais signe pour passer à côté. Suivi de 3 minutes 30 à moins 110 degrés. La cryothérapie fait partie du nouveau programme d'entraînement de l'athlète marnais. Une séance de cryo, ça équivaut à 3-4 jours de récupération passive. Donc pour le sportif de haut niveau, ça va être intéressant. Elle pense à bien détendre les épaules. Une meilleure récupération signifie aussi moins de blessures. Un temps réticent, François reconnaît aujourd'hui que ces séances sont devenues indispensables. Depuis que je viens ici et que je le fais assez régulièrement, notamment en période de compète, je sens que ça m'aide, quoi. Je me sens mieux et je récupère plus vite. Et surtout, plus facilement. À tel point que le jeune homme ne se lasse pas d'écumer les pistes. À 24 ans, François Barrère veut confirmer la belle saison qu'il vient de réaliser. Allez, gars. Allez, 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 allez.